Retour à Paris pour la suite du 19-20. 143 pays seront représentés demain à Paris à la conférence. Le bureau de l'OLP à Paris transformé en délégué. RPR désigné hier soir. Pechiney, l'un des plus beaux fleurons de l'industrie française, se développe à l'étranger. Retour en session, les grévistes bravent la loi. Monsieur Pierre Arpaillange, ministre de la Justice, est l'invité du 19-20. Le RPR, c'est l'opposition sereine et résolue, c'est ce qu'a déclaré de la radio, diffusée ce soir à 21h30 dans Thalassa. Mais d'abord, les prisons. Ce matin, sur France Inter, Michel Rocard, le Premier ministre, réaffirmait avec force... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue en salle de rédaction du 10. Nous sommes encore malheureux. Les peuples courent. Bonsoir. Bonsoir, les journalistes de... Bonsoir. Bonsoir. Tremblement de terre au Caire. Les autorités parlent déjà de plus. Tout le programme que je vous présente aujourd'hui. Bienvenue sur France 3 Lille, voici les temps forts du journal de 19h10. Politique avec Bernard... Après les résultats des Français à Lillehammer, Bernard... ...et des températures plutôt douces, le journal des Alpes, bonsoir. Alors monsieur, bonsoir. Vous le savez, il vous reste à peine... Bonsoir, verdict dans la... Madame, Monsieur, bonsoir. José Bové. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres...
Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue, voici l'édition des initiatives. Au sommaire de cette édition, bonsoir à vous tous et bienvenue dans le 19-20. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous vous l'annonçons. Bonsoir. Dans ce journal, l'opération. Bonsoir, dans l'actualité. Et voici le journal. Bonsoir à vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Un homme âgé de 42 ans. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Le 19-20, l'actualité nationale et internationale. Madame, Monsieur, bonsoir, voici les titres de ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20 ravi. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal préparé par les rédactions de Grenoble. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans la.